Ça fait mal surtout et voilà, ça fait mal aussi. Depuis qu'ils soient contre nous, ça fait mal, mais en même temps c'est normal. On n'a pas proposé de jeu aujourd'hui, on n'a pas été bon dès le départ. Voilà, faut se remettre en question, faut travailler. Et je sais que c'est un groupe qui a du caractère et on va s'en sortir tous ensemble. Je sais, ouais, on dirait que c'est vrai qu'on n'a pas de caractère, mais je sais ce groupe en a beaucoup. On le montre peut-être pas sur le terrain, on s'est peut-être caché les uns derrière les autres ce soir. Voilà, c'est notre responsabilité qui prime aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas été bon, même on a été nul, c'est vrai. Mais voilà, je sais qu'on va réagir et même dans les moments durs comme ça, faut que ce groupe reste soudé. Le coach aussi, on a entendu des mots durs envers le coach, mais on le soutient à 200% et ça va être le groupe qui va s'en sortir. Bien sûr, on tire dans le même sens, c'est important. On est tous un groupe, le coach est devant et on le suit. Il n'y aura aucun problème avec ça. Je serai supporter, je réagirai de la même manière, donc il n'y a aucun souci. Il faut réagir tout simplement, comme j'ai dit, et c'est tout, ça s'arrête là. Après, il faut arrêter de parler, on sait qu'on n'a pas été bon, on en est conscient et c'est tout. Est-ce que c'est la crise? Non, faut pas dire, ah oui, si on a Marseille, oui, deux matchs de défaite, oui, on peut dire que c'est la crise. Mais pas pour nous. Comme j'ai dit, c'est bon maintenant, on arrête de parler. Je pense que le coach a parlé aussi en conférence de presse. Il y a deux joueurs qui vont arriver et je vous dis, voilà, faites-nous confiance et ça va le faire.